Bonjour chers amis, bienvenue au cours de Monsieur Octave. Alors, pour ceux qui ont travaillé la guitare, il y a eu 4 semaines intenses pour apprendre les accords du Serpent qui danse, du groupe Dodd. Et nous sommes aujourd'hui chez Eric et Elliot, qui est avec nous aussi. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va? Bonjour Elliot. Voilà. Bonjour. Bonjour Elliot. Bonjour. Voilà, un futur guitariste, futur chanteur peut-être? Batteur peut-être. Peut-être batteur, oui, pianiste, c'est ça. Pas encore. Alors Eric, merci de nous recevoir d'abord. Mm-hmm. Maintenant, je connais les accords de la main gauche, Octave m'a tout montré, même si c'est assez compliqué, ça change beaucoup. Il y a beaucoup d'accords. Ouais. Il y a beaucoup d'accords, et j'espère que tu vas me montrer la main droite, parce que là, je ne sais absolument pas du tout quoi faire. Ouais, bah moi c'est ma main gauche du coup, parce que comme je suis gaucher. Et gaucher, je vais essayer de... Ça va être compliqué encore les choses, mais oui, je suis prêt. D'accord, on y va, on change de place. Ça y est, nous y sommes, enfin, le serpent qui danse, j'avais tellement hâte, Eric. Eric, auteur, compositeur, interprète, très rock quand tu veux, puis très doux quand tu veux aussi. Et là, on va dans la douceur. Ouais. La douceur totale. Alors, l'accord qui débute, c'est un do. C'est un do, ouais. Et alors là, la main droite, c'est au doigt. Qui est ma main gauche, en fait. Ouais, c'est ça. Jusqu'à maintenant, avec le cours de Monsieur Octave, on a fait des rythmes. Ok. Avec un pic, bon. Là, c'est de l'arpège, en là, fait. Là, c'est de l'arpège. Alors là, ça devient compliqué. Il va falloir que tu me... Bon, tu c'est un petit picking à... On utilise le pouce. J'utilise 3 doigts plus mon pouce. D'accord. Pour faire les basses. Ah oui, c'est ça. Un peu comme dans le cours de M. Octave, on disait 1, 2, 3, 4. Mais là, ça va être 1, 2, 3. OK. Et le pouce est 1, 2, 3, d'accord. OK. Voilà, donc, on va dire... Pouce. En fait, ça fait 2-1, quoi. Pouce 2-1. Et 3-2-1. Pouce. C'est ça? C'est ça. Des fois, je me trompe de corde, c'est pas grave. C'est ça. Et tout le long, c'est comme ça? Ouais. Donc... Sauf qu'on change la basse en fonction de l'accord qu'on fait, quoi. Mais sinon, c'est toujours pareil. Ah oui, on... Quand on est en mi, on fait la basse de mi. Forcément. Bon. Ouais. Quand on est en fa, une basse de fa. Basse de fa. En sol, basse de sol. Et on a un la mineur aussi hein, ouais. Dedans. Basse de la. Et en do, basse de do. Formidable. C'est ça. Et on fait tourner ça un peu dans tous les sens. Do, mi, après on passe à fa sol. Alors c'est ça, les amis, sur le site internet de Saint-Pierre-et-Miquelon 1er, dans Monsieur Octave, le cours de Monsieur Octave, il va y avoir les paroles et la suite d'accords. Après ça, c'est à vous de bien écouter la chanson originale et de l'apprendre, quoi. Parce que c'est quand même pas un morceau si facile, très agréable, mais il y a quand même du travail. Il y a beaucoup d'accords, il y a beaucoup de séries d'accords, en fait. Il y a 3 séries différentes, donc... 3 séries de changements de... Ouais. C'est ça, ouais. Donc, bon, bah, bien du travail, hein. À la maison, on va commencer, on va essayer de faire ça. Je vais essayer de te suivre. Donc, la première série, ça fait donc Do, Mi... Oui. La seule. D'accord. La mineure. Donc. Donc ça, c'est la première série. Ouais. Si c'est une deuxième. Deuxième. On passe en fa. Fa, sol, la mineur, mi mineur. D'accord. Bon, on essaye de faire ce passage-là avec la chanson ? Oui. Bon, j'ai compris. Ouais, c'est tout simple, en fait. Ouais, c'est tout simple qu'il dit. Tu veux que je chante, là ? Ouais, ça serait bien. Ok. J'aime ça quand tu chantes aussi, Eric, tu sais. Que j'aime voir, cher indolent, ton corps si beau. Une étoffe vacillant, miroiter la peau. On change. Sur ta chevelure profonde, aux âcres parfums. Mer odorant, des vagabondes, aux flots bleus et bruns. On reprend. Comme un navire qui s'éveille au vent du matin. Mon âme rêveuse a
pareil pour un ciel lointain. Changement. Tes yeux où rien ne se révèle, de tout ni d'amer. Sans de bijoux froids où se mêle l'or avec le fer. Formidable. Écoute, la troisième partie. Après la troisième partie. Bon. Bah écoute, déjà les deux premières parties, c'est déjà beaucoup de travail. Puis je pense qu'une fois qu'on a compris les deuxièmes parties, il suffit de suivre les accords et on va à la troisième. Ouais, c'est toujours pareil. C'est super. Bon, bon courage à la maison, il y a du travail là. Eric, merci infiniment encore. Bah les amis, on se retrouve samedi prochain. Ça va être une autre aventure avec Jay. Hein? Puis voilà, c'est un rendez-vous. On le refait? Allez, au revoir, à bientôt. Je crois boire un vin de bohème, amer et vainqueur. Un ciel liquide qui parsème étoile mon cœur. Belle d'abandon, on dirait un serpent qui danse au bout d'un bâton.